8460 réfugiés rwandais vivant au Congo depuis la fin du génocide en 1997 sont invités à retourner au bercail. Un retour forcé, jugent ces Rwandais qui ont déjà plus d'une décennie dans ce pays et qui disent craindre pour leur sécurité à Kigali. Depuis la cessation de leur statut de réfugiés le 31 décembre dernier, ces Rwandais se disent menacés d'expulsion et harcelés. Depuis que nous avons quitté notre pays, il n'y a pas eu de changement. Il y a toujours l'insécurité. Nous refusons catégoriquement de prendre le passeport rwandais et toute autre pièce délivrée par le gouvernement de Kigali. Donc nous trouvons que c'est un piège du gouvernement rwandais en complicité avec le HCR pour nous rapatrier involontairement. Voilà pourquoi nous refusons tous les documents délivrés par le Kigali. Nous sommes des réfugiés. Si certains réfugiés rwandais ont perdu leur statut et deviennent des personnes en situation irrégulière, selon le gouvernement congolais, au moins 804 d'entre eux ont été exemptés de la cessation de leur statut jusqu'en 2020, tandis que 104 ont opté pour un retour. Les HR qui avaient beaucoup travaillé avec les autorités congolaises, les autorités rwandaises pour l'aboutissement erré de cette cessation-là, restent toujours disponibles en tant qu'agence humanitaire à aider, sinon à assister les réfugiés, les ex-réfugiés rwandais qui souhaitent soit retourner chez eux au Rwanda, et soit en ce qui concerne l'intégration locale. Donc les HCR restent toujours disponibles à titre bien sûr temporaire pour le moment à porter ces appuis-là pour les réfugiés rwandais. La cessation du statut des réfugiés rwandais a été déclarée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés le 30 juin 2013.